Salut à tous, la clé c'est la vie, épisode 21. Et dans cet épisode, je vous parle d'une commande qui s'appelle DFC. Si DF permet d'afficher l'espace libre sur des répertoires, des partitions et des disques, comme par exemple cette commande-là, avec l'option moins H qui donne en version humaine, DFC est une commande qui complète tout cela. C'est une version un peu plus, dirons-nous, visuelle de l'ensemble. C'est un outil qui n'est pas disponible par défaut et qu'on peut installer avec enfin, DNF install, apt-get install, sudo pacman-s. Bref, tout dépend de votre distribution. Ou apt-get install-s, apt-get install. Bref, ça dépend de votre distribution. Vous vous adaptez en fonction de la ligne de commande pour installer les paquets. Bref, donc DFC, c'est un outil qui, bah, si je sors, vous avez la sortie classique de DFC de DF avec la version pour humain, H c'est pour la version pour humain, donc là ça me dit que par exemple sur ma partition route il me reste 11 Go des 19. Si je mets DFC moins M qui est équivalent, on voit ce que ça donne. Ça m'indique que sur ma partition route, il me reste, enfin j'ai 45% de 42% d'utilisé. Parce qu'on voit déjà le système de fichiers utilisé, disponible total. Bon, même s'il y a un léger décalage, on voit que la colonne utilisée, ça veut dire qu'il y a 42% de ma partition principale qui est utilisée, ce qui me fait 11,5 Go de disponible. C'est vrai que c'est la même chose, mais présentée différemment. Parce que certaines personnes considéreront que DF est plus clair, d'autres que DFC est plus clair. Mais ce qui est plus clair, c'est quand même aussi la présentation de DFC. Parce que c'est multicolore. Il y a pas mal d'options. Bon, j'ai pris M, mais si je prends par exemple UM, là, j'ai carrément la taille en mégabits indiqués. Ce qui est encore plus précis. Oui, quand même, j'ai pas mal de place bouffée. Mon disque dur externe ayant clumsé, je vais s'assurer de récupérer des données. Donc, c'est pour ça que mon disque dur interne est un peu gavé en ce moment. Donc, ouais, il y a pas mal d'options. Donc, si je fais un man DFC, un atelier similaire à DF, avec pas mal de petites options. Il y a quand même pas mal d'options là. Je vous renvoie au man DFC et je vous mettrai un lien dans le descriptif vers la page officielle du projet. Donc si on fait DFC moins UMM, UM, ah non, c'est pas ça. Ok. Et si on met DFC moins M, là, ça nous affiche carrément en mode graphique. Et MM, est-ce que ça doit fonctionner? Ouais, pas en différence. Ah, peut-être parce que. Ah, oui, d'accord. Il y a les unités internationales et les unités binaires. Le résultat est le même côté place disponible, mais en chiffre, ça peut paraître un peu étrange. Est-ce que j'ai 659 Go ou 708 disponibles? Ça, c'est la joie des unités internationales et des unités binaires. Donc, vous voyez, DFC est un outil très pratique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre option? Je crois qu'il y a DFC moins W. Il y a pas mal de petites options, je ne les connais pas toutes. Mais vous voyez, quand même, c'est un outil bien pratique. Je voulais vous le présenter. Donc, si vous cherchez un DF pour disk free, je suppose, en mode graphique qui vous parle plus que le DF classique, vous avez DFC. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao!